Ça va ? Je suis un peu chamboulée, là. Cette secouriste toulousaine a encore du mal à réaliser son interpellation de la veille. Il est 19h quand cette serveuse arrive devant son restaurant avec sept autres médics. Des policiers font alors un contrôle d'identité. On a été mis dans des cellules menottées. Où ça ? Juste là. Devant mon resto, il y avait le camion, j'ai été la première embarquée. Le motif, en fait, c'est qu'on était à visage couvert, en fait, sur la manif. Donc cette fameuse loi anti-casseurs, normalement on n'est pas censé avoir des équipements sur la manif. Le groupe, qui depuis 5 mois vient en aide aux blessés pendant les manifestations, est alors conduit au commissariat central. Le responsable du restaurant a assisté à toute la scène. Il s'avère qu'ils nous ont quand même expliqué du coup la cause, donc du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui se déguisaient, des casseurs. Et de là, bon, on a compris que bon, il y avait peut-être parmi eux des casseurs ou pas. Bon, il s'avère que non. Parce que je connais bien leur démarche, quoi. C'est la première fois depuis le début du mouvement que Julie Brunet est arrêtée. Elle compte prendre du recul, mais continue à secourir les blessés tous les samedis.